Et cette question à présent, que feraient des héros de fiction s'ils étaient au milieu d'événements historiques? Cette idée de départ, c'est celle d'une mini-série tournée ce week-end dans les Vosges à Épinal, 4 épisodes pilotes, pour convaincre les chaînes de télévision. Malika Boudiba avec Arnaud Salvini. Annonce, Histoire du cinéma, épisode 4, 1 sur 1, 11e. Vous vous souvenez sans doute du personnage du film New York 1997 de John Carpenter. Snake Plissken. Imaginez que ce personnage soit transporté à l'époque de Moïse. Imaginez encore Obi-Wan Kenobi, qu'on ne présente plus, s'invitant au procès de Nuremberg. Et pourquoi pas Gandalf sur la ligne Maginot. La loi, c'est moi. Et l'ordre! Ces télescopages entre histoire et personnages de fiction, intitulé Histoire du cinéma, est né dans la tête de cette jeune équipe. Snake Plissken, c'est un personnage de cinéma qui a été inventé par John Carpenter. One man must go in where no man has ever gotten out. C'est un film qui est sorti en 80. J'avais 10 ans. Snake, c'est le rebelle par excellence. On a envie de montrer avec les pilotes la chose la plus poussée possible, parce que c'est techniquement, parce que c'est l'histoire du cinéma et qu'on doit aussi travailler l'étalonnage, les formats vont être en cinémascope, on va travailler ça au maximum pour que de toute façon, on ait aussi un rendu cinéma, qu'on rende hommage au cinéma. L'équipe a pu profiter entre autres des infrastructures du studio du parc d'activités Réfi à Épinal. On est une association, donc on n'a pas forcément les aides que peuvent avoir des boîtes de production. On va sur les sites de financement participatif. Il faudra encore quelques mois pour finaliser les 4 premiers épisodes. 4, car l'équipe compte bien en réaliser d'autres.